to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Encore une fois, je dois la découverte de Carcarias à Stéphane Gallet et ses chroniques musicales. Il était tombé sur le groupe lors d'un concert à l'usine et avait ensuite fait la retape de leur album Planète Chaos peu après. Carcarias est un quatuor franc-comtois de death metal progressif qui existe depuis 2009, devenu quintette depuis peu, et qui vient de sortir leur nouvel album Afterworld le 3 mars dernier. On y reviendra certainement. Mais comme Stéphane, je vais d'abord vous parler de Planète Chaos, sorti en 2019. Pour quelle raison? Tout simplement parce que cet album est une tuerie. Le projet est porté par Pascal Languetin, qui compose et joue des guitares heavy et des claviers progressifs. Il y a également la double pédale frétillante en la personne de Bertrand Simonin, assis sur le tabouret, et une basse bien présente tenue par Raphaël Couturier. Malgré un artwork assez gore, Planète Chaos se révèle un concept album futuriste plus proche du métal progressif que du death. Ok, le chanteur, Jérôme Thomas, use et abuse de growls caverneux. Mais sur les 13 morceaux que comporte l'album, il y a de nombreux instrumentaux. Écouter Carcaria, c'est un peu comme plonger dans un album de Iron musclé qui se serait concentré sur les guitares. Vous voyez le genre? Les morceaux vont de 3 à 8 minutes pour le plus long, offrant environ 1h09 d'écoute. Alors, installez-vous confortablement. Après avoir saccagé leur planète, les humains s'exilent vers un autre monde et comme l'échec se résumerait à l'extinction de la race, l'espèce est transformée génétiquement pour réussir coûte que coûte. Bien évidemment, cela se passe très mal. Comme en témoigne le titre « Letters from the Trench », inspiré par des lettres de soldats de la Première Guerre mondiale. Carcarias arrive, malgré un métal musclé, à rendre très mélodique cette heure science-fictionnesque, sans doute grâce aux pauses instrumentales, aux claviers et à des refrains très bien fichus comme dans Psychotic Starship. Alors certes, Carcarias n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour la musique méditative, vous attendrez la prochaine chronique. Le growl n'arrange rien à l'affaire et l'abondance de guitares et de claviers ne calme pas vraiment le jeu. Il s'agit pourtant d'un death metal très mélodique. Oui, je sais, il y a une petite contradiction dans cette phrase. L'écriture très progressive de Planète Chaos pourrait séduire plus d'un baba cool maqué à une métalleuse. Notez bien, je n'ai pas dit hardeuse. Planète Chaos s'achève par un morceau instrumental épique de presque 9 minutes. Une pièce magistrale, parfaitement maîtrisée, riche en rebondissements, qui devrait vous en boucher un coin, même si vous êtes un vieux con blasé comme moi. Si Carcarias n'est pas un des grands noms de la scène métal française, ils font preuve d'un évident savoir-faire dans le death metal progressif avec Planète Chaos. Et si leur nouvel album Afterworld est plus direct, il prouve par sa maîtrise que Planète Chaos n'est pas juste un miracle isolé dans leur carrière. D'ailleurs, on devrait y revenir bientôt. En attendant, vous pouvez les écouter sur Bandcamp. Voilà, la chronique est terminée. J'espère que vous aimerez l'album. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Bisous !